Je viens présider le lancement du concours d'accès aux grandes écoles, aux classes préparatoires aux grandes écoles de Dalaba et de l'Institut Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Je rappelle d'abord que c'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur depuis 2017 et qui, depuis l'avènement du CNRD sous le leadership du chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, a pris un tournant décisif. Lors d'un conseil des ministres, il m'a instruit d'ouvrir à la rentrée 2023-2024 les classes préparatoires en République de Guinée pour une formation d'élite. Il a rappelé qu'après le lancement, l'ouverture des prytanées militaires, il faut qu'on aille vers les classes préparatoires et qu'on ouvre l'Institut Polytechnique ici en Guinée. Cela va de sa volonté de former une élite guinéenne compétitive, mais également au service de la Guinée. Aujourd'hui, vous avez constaté l'engouement qu'il y a derrière ce concours. Et pour nous, c'est un moment historique parce que depuis l'initiative portée par mon département en 2017, c'est cette année que la Guinée va ouvrir, va recruter une première promotion pour accéder aux classes préparatoires et sur notre territoire, précisément à Dalaba, que nous avons lancé également. Nous avons lancé les travaux de construction au mois de mai dernier pour un délai de 6 mois. Donc vous comprenez exactement que ce projet est aujourd'hui une initiative présidentielle de pouvoir ouvrir les classes cette année et de pouvoir offrir une formation de qualité en Guinée et pousser les jeunes Guinéens à se former après avoir l'accès aux plus grandes écoles d'ingénieurs du monde, aux plus grandes écoles d'administration, de commerce. Et la finalité de cela, c'est de venir et de servir la République avec patriotisme et avec amour. Et c'est en cela qu'aujourd'hui nous sommes préparés. Notre département a mis tous les bouchons doubles pour que nous puissions respecter cette instruction du chef de l'État. Et le gouvernement aujourd'hui nous appuie énormément. Les moyens ont été mis à notre disposition pour la formation des enseignants qui vont être recrutés, pour les infrastructures, pour les équipements. Tout a été mis en œuvre aujourd'hui grâce à l'appui de Dr Bernard Gourmont, chef du gouvernement et Premier ministre. Nous ne nous attendions pas du tout à recevoir plus de 500 candidatures pour une quarantaine de places. Vous avez compris avec nous, ce sont les bacheliers qui ont eu des moyens de très bonnes notes, très bien, bien et assez bien. Et je puisse vous rassurer que l'engouement est de telle sorte que même des lauréats qui ont déjà des bourses dans leurs mains pour d'autres pays sont ici, sont présentement en salle pour passer ces épreuves-là. Cela dénote aujourd'hui que le ministère de l'Enseignement supérieur a tout mis en place pour que l'élite guinéenne, pour que la jeunesse guinéenne puisse avoir confiance à nos institutions d'enseignement supérieur. Et cela, c'est grâce à la volonté manifeste des hautes autorités de la transition. Depuis le lancement des classes préparatoires, les élèves sont recrutés ici par concours à travers l'appui de la Côte d'Ivoire, vers l'Institut Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Donc après les recrutements, le ministère prend en charge les candidats retenus. Ils vont en Côte d'Ivoire, ils font les 2 années de prépa et ensuite ils passent les concours pour les grandes écoles. Et à travers cela, je vous assure qu'un premier Guinéen a pu, par le biais des classes préparatoires, arriver à l'École Polytechnique de Paris, l'IX de Paris, l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs aujourd'hui au monde. Donc je vous assure que l'élite guinéenne est un peu partout. Nous allons les chercher, les former et mettre les moyens pour qu'ils reviennent, pour qu'ils puissent servir notre pays. En collaboration avec cette institution sœur de la Côte d'Ivoire, nous avons co-organisé ce concours afin, dans un premier temps, sur l'instruction des autorités, de recruter 40 élèves, 40 étudiants donc, qui vont être installés à Dalaba pour cette filière. Et nous allons prendre une dizaine d'autres que nous allons continuer à travers cette coopération que nous avons à envoyer donc en Côte d'Ivoire. Cette filière MPSI, c'est mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur. C'est une évaluation qui va de la culture générale à l'anglais, etc. Qui va permettre de déterminer, si vous voulez, le niveau et la capacité de réflexion de ces candidats qui sont, somme toute, passés par un premier filtre de baccalauréat. Donc c'est à l'issue de quel bac, parce que je vous rappelle que seuls ceux qui ont eu au moins 12 de moyenne ont eu accès
français sont admissibles à passer ce concours. Donc ce sont les meilleurs que nous estimons du baccalauréat guinéen, que nous réévaluons à travers, n'est-ce pas, des sujets qui ont été choisis par la Côte d'Ivoire, qui vont corriger, n'est-ce pas, ces évaluations et qui vont nous donner un résultat que nous espérons vraiment, comme toutes les années antérieures, un résultat de mérite. C'est une bonne collaboration que nous avons depuis un certain nombre d'années. Et cette année, c'est un grand défi, parce que généralement, on est habitué à une centaine de candidats. Et cette année, on a plus de 500 candidats. Donc l'organisation, comme vous le voyez, est un peu rude, mais nous tenons. Et les épreuves ont bien démarré. Et nous assurons tirer les meilleurs candidats pour intégrer les classes préparatoires l'année prochaine. On espère qu'on peut faire le mieux pour la Guinée, parce que la Guinée a besoin des meilleurs. Et nous prions pour que le pays avance. La Guinée aussi a besoin d'avancer, elle a besoin des élites pour demain. Donc nous sommes là pour ça. Pour cette première salle, je pense que vous êtes 71 candidats dans cette salle. Je voudrais une jeune dame pour venir m'aider à ouvrir cette enveloppe. Je fais toujours de la discrimination positive. Venez. Montrez à vos collègues que c'est fermé. Voilà. C'est bon? C'est fermé? C'est quel nom? Jari Adama. Jari Adama. Vous avez fait quelle option? Vous venez de quelle école? De l'abbé. Applaudissez pour elle.